Monsieur Boubé a une formation universitaire en sciences économiques, principalement à l'université de Lille 1, où il a obtenu le master 2 dans cette discipline, et ensuite, ici au CAPES de sciences économiques et sociales, qui enseigne en qualité de professeur certifié. Si je fais une erreur, vous me corrigez. Donc, parallèlement au plan militaire, il est titulaire d'un brevet de préparation militaire supérieure, d'un brevet de chef de peloton blindé, alors ARX 30B2, porte à l'époque officier de réserve de Saumur, et il est lieutenant de réserve de l'arme blindée cavalerie depuis août 1997. Depuis 2013, il est un intervenant pour le Master 2 Master 2 Pro, d'histoire militaire à l'Université de Montpellier 3. Et en 2017, il a obtenu le Master 2 d'histoire militaire, études des défenses dans cette même université. Alors, il a donné un certain nombre de conférences sur divers sujets de géopolitique dans le cadre d'associations, notamment dans les Rotaries, dans le centre d'études de rencontres méditerranéennes à Palavas, dans des universités à l'IP de Toulouse, à Aix-en-Provence, et il est déjà venu ici, rappelez-vous, nous parler de la guerre en Syrie, une communication qui avait été extrêmement intéressante et instructive. Alors, il a enregistré plusieurs émissions de radio consacrées à l'actualité géopolitique auprès des radios montpelliéraines, Radio Riva, Radio Arnaud de l'Homme, et il a publié deux articles dans le mensuel DSI, qui est le mensuel de défense et sécurité internationale. Il a accepté aujourd'hui de venir nous parler, et je l'en remercie, de venir nous parler aussi du voyage en Italie, certains types d'Italie, qui n'ont pas fait le même, encore que nous avons, je suppose, de retrouver de l'art. Dans cette campagne d'Italie, première campagne d'Italie de Bonaparte de 1796 à 1797. Donc, monsieur Louvet, vous avez la parole. Soldats, vous êtes nus, mal nourris. Le gouvernement vous doit beaucoup. Il ne peut rien vous donner. Votre patience, le courage que vous montrez au milieu de ces rochers sont admirables. Mais ils ne vous procurent aucune gloire. Aucun éclat ne rejaillit sur vous. Je veux vous conduire dans les plaines les plus fertiles du monde. De riches provinces, de grandes villes seront à votre pouvoir. Vous y trouverez honneur, gloire et richesse. Soldats d'Italie, manqueriez-vous de courage ou de constance ? Alors on connaît cette proclamation de Napoléon, enfin Napoléon, je devrais dire Bonaparte d'ailleurs, on va en dire un mot, au moment de sa prise de fonction de l'armée d'Italie en mars 1796. C'est d'ailleurs, à mon avis, peut-être la plus belle proclamation aux troupes de l'histoire de l'armée française. Et donc c'est par cette proclamation que Bonaparte commence finalement sa campagne d'Italie. Alors ce qu'on va voir au cours de cet exposé, c'est bien évidemment le déroulement de cette campagne, les différentes étapes, surtout les différentes batailles qui vont jalonner cette année finalement, parce que ça a duré une année et demie en quelque sorte en Italie du Nord, mais aussi voir par l'intermédiaire de cette campagne, en quoi finalement le futur chef d'État, le futur grand général, même le futur diplomate que sera d'abord Bonaparte, puis Napoléon Ier, va se révéler au cours de cette campagne. Alors, quand ce commandement finalement échoue à Napoléon, on est en mars 1796. Comment Bonaparte a-t-il obtenu ce poste? Alors, on s'est moqué de lui un petit peu. On s'est moqué de lui parce qu'on a dit qu'il avait obtenu ce commandement dans les jupes du directoire, alors, notamment suite à son mariage avec Joséphine, là, donc qu'on retrouve dans ce petit document là qui célèbre en quelque sorte ce mariage. Alors, c'est en partie vrai. Il y a une partie intrigue dans les coulisses du directoire pour que Bonaparte obtienne ce commandement. C'est en partie faux aussi, parce que quand Bonaparte obtient ce commandement, c'est déjà un homme relativement célèbre, qui a déjà fait un peu qui a déjà prouvé son mérite sur les champs de bataille. Et d'ailleurs, je dirais, on pourrait retourner le raisonnement. On a pu accuser Bonaparte d'avoir obtenu ce commandement grâce aux faveurs de Joséphine et à toutes les intrigues qui sont nouées ainsi. Le raisonnement se retourne. Une courtisane comme Joséphine n'aurait pas épousé un homme d'avenir s'il n'avait déjà pas fait ses preuves et s'il n'avait déjà pas montré qu'un grand avenir l'attendait. Donc c'est parce que déjà Bonaparte était déjà général, qu'il était déjà général commandant de l'armée de l'intérieur, qu'il s'était rendu célèbre au siège de Toulon, qu'il avait réprimé les meutes
de Vendémiaire, etc., que bon, on savait que c'est un homme d'avenir et que ce commandant d'Italie, pour un Méditerranéen comme lui, pour un Corse comme lui, pouvait lui échoir naturellement. Alors, pour dire un mot, effectivement, là, j'entretenais un peu la confusion entre Napoléon et Bonaparte. Comment doit-on l'appeler? Ben, on doit l'appeler Bonaparte. Évidemment, on l'appellera Napoléon que lorsqu'il sera sacré, comme tout souverain l'appellera par son prénom. Et je devrais même, au début de mon exposé, l'appeler Bonaparte. N'oublions pas que son vrai nom, c'est Napoléon et des Bonaparte. Il va franciser son prénom, enfin, son prénom et son nom, les deux d'ailleurs, à partir de son mariage avec Joséphine, justement. Et à partir de là, on l'appellera Napoléon Bonaparte, parce que c'est lui qui le souhaite, histoire de bien montrer son appartenance à la République française, et donc le fait de vouloir franciser ses origines. Bon, et alors donc, quand Bonaparte hérite de ce commandement, là, dont je viens de parler, en fait, c'est un jeune marié, effectivement. Il a épousé donc Joséphine quelques jours plus tôt. Il a eu une lune de miel un peu brève, un jour et demi, à la suite de laquelle il est parti pour l'Italie. Alors, il est parti en Italie. Alors, il a bénéficié pour ça de l'appui de Carnot, qui est le grand organisateur de la victoire, on sait pendant la Révolution française. Il remplace un général démissionnaire, qui est le général Scherer, qui est d'ailleurs d'origine autrichienne, c'est un Autrichien Scherer, mais qui se bat pour la France. On va voir d'ailleurs pour cette histoire, qui sont plusieurs à faire le déplacement en fait. Mais Scherer est malade, en plus Carnot lui demande d'appliquer le plan de Bonaparte, Scherer n'en veut pas, Scherer dira je n'irai pas décrocher la lune avec les dents, parce qu'on ne croit pas du tout au plan de Bonaparte. Donc Scherer est malade, démissionnaire, donc autant confier le plan, l'exécution du plan à celui qui l'a conçu. Alors lorsque Bonaparte part en Italie, il ne part pas tout seul, il a déjà une petite équipe qui s'est construite autour de lui, qu'il a rencontré soit à Toulon, soit au cours de ses différentes péripéties. Donc partent avec lui, ou pratiquement en même temps que lui. Donc, Duroc, ici, futur grand maréchal du palais, futur duc de Frioul, Murat, futur beau-frère de Napoléon, futur maréchal, futur roi de Naples, Junot, futur duc d'Abrantès, futur général, et puis Marmont, futur maréchal, futur duc de Raguse. Moyenne d'âge et conquistador, 24 ans. C'est une équipe de jeunes conquérants qui monte à l'assaut de l'Italie. Alors, lorsque Bonaparte arrive à Nice prendre son commandement, bon, il y a plusieurs problèmes. Alors, il amène aussi avec lui Berthier, qui sera son futur chef d'état-major pendant toutes ses campagnes. Il y a plusieurs problèmes. Premier problème, c'est qu'il rencontre, quand il arrive à Nice, il rencontre les généraux divisionnaires, c'est les généraux qui commandent les divisions de l'armée d'Italie. Et, bon, alors, j'ai entendu parler de Bonaparte, ils le connaissent d'ailleurs, parce que, en 94, Bonaparte avait déjà participé à une première tentative d'invasion de l'Italie du Nord, où il avait été le commandant en second de l'armée, et où il avait déjà montré un peu ses qualités. Bon, alors, on le connaît un peu, mais enfin, on est bougon quand même, hein. Vous prenez quelqu'un comme Masséna, qui a pratiquement 15 ans de plus que Bonaparte. Masséna, qui est un excellent général, qui a vaincu les Autrichiens quelques mois plus tôt, en novembre 95, à Loano. Bon, quelqu'un comme Masséna, vous lui dites, on vous bombarde un nouveau général comme ça. Si on avait dû respecter un petit peu la loi militaire habituelle, c'est-à-dire qu'on nomme une fonction supérieure le plus ancien dans le grade le plus élevé, Masséna, en toute logique, aurait dû hériter de l'armée d'Italie, c'est évident. Il aurait peut-être bien agi d'ailleurs, hein, parce que l'expérience prouvera que ça se révélera comme étant un des meilleurs généraux de Napoléon plus tard. Bon, on lui explique que Napoléon arrive, alors ils sont tous pas contents, ils bougonnent. Alors, Napoléon arrive, il rentre dans la salle, ils ont même prévu d'ailleurs Masséna, Augereau et les autres de ne pas se découvrir pour bien montrer leur opposition à ce nouveau commandant. Bon, et là, en un regard, Bonaparte arrive, tout le monde comprend que c'est lui le chef. Ils finissent par se découvrir d'ailleurs, parce qu'ils ont bien compris que ça n'avait pas marché, leur petite combine. Et Bonaparte en rajoute des risques, singe un peu le comportement militaire, il durcit un peu son comportement, mais ça marche. Après la réunion, Masséna et Augereau se retrouvent, il y en a un qui dit à l'autre, ce diable de bonhomme m'a fait peur. Il arrive à les prendre en main assez rapidement. Alors les généraux, il arrive à les prendre en main assez rapidement, reste la troupe. Alors la troupe, dans quel état elle est? Je vous lis la proclamation, hein, vous êtes nus, mal nourris, c'est pas entièrement faux, c'est même pas faux du tout. Le dessin qui est en haut à droite la reproduit certainement assez fidèlement l'état des troupes. Bon, on a des hommes aux uniformes assez disparates, on en voit un qui est va nu-pied, ça n'a certainement rien d'une fantaisie d'artiste, c'est probablement vrai, ça n'apparaît pas sur le dessin, mais on peut imaginer que certains sont en sabots, par exemple. Bon, les uniformes sont complétés d'effets civils, enfin bon, c'est une troupe effectivement pauvre. Pauvre, on le verra pourquoi, elle n'a pas eu la priorité, en fait, dans les équipements. Et alors, un des premiers petits exploits de Bonaparte, justement, c'est qu'il n'arrive pas totalement les mains vides, il a réussi à obtenir une enveloppe du directoire
pour prendre son commandement, il a un petit budget à sa disposition. En quelques jours, en remuant ciel et terre, en secouant les puces des intendants, il va arriver à trouver plusieurs milliers de paires de souliers, un peu de ravitaillement, de quoi les nourrir, un peu de viande. Certains n'ont pas mangé de la viande depuis des semaines, voire des mois. Et là, ça les impressionne, les soldats, parce qu'ils se rendent compte effectivement que maintenant ils sont commandés, qu'ils ont quelqu'un effectivement qui va s'occuper d'eux et que les choses vont changer. Alors cette armée, mis à part ça, elle est d'assez bonne qualité finalement. Les troupes se révéleront de bonne qualité. Pourquoi ? C'est des troupes qui se sont rodées, elles sont en guerre depuis 4 ans, donc les hommes ont acquis l'expérience des combats. Les chefs sont bons aussi. Les chefs sont bons, ils sont souvent meilleurs même que sur le Rhin. On verra qu'il y a deux théâtres d'opération. Sur le Rhin, les chefs sont parfois moins bons. Pourquoi ? C'est qu'ils subissent une pression politique supérieure. Que la pression de Paris sur les armées du Nord et de l'Est est très forte. Ce qui fait dès qu'il y a un général ou un officier malchanceux, on le vire, on le limoge. Dans le pire des cas, on guillotine, et que les troupes et les hommes n'ont pas le temps d'apprendre de leurs échecs. Sur le front italien, c'est un front reculé, excentré, finalement la pression est moins forte, et les soldats ont plus le temps d'apprendre de leurs échecs. Un des problèmes, alors le matériel n'est pas mauvais non plus, là le canon qui ici c'est le Gribeauval qui est en dotation dans l'armée française, qui n'est pas mauvais, l'armée dont la Révolution va hériter est une bonne armée. L'armée de l'Ancien Régime finalement avait beaucoup réfléchi suite à la dernière grande guerre qu'elle avait menée, c'était la guerre de 7 ans, qui se terminait en 1763, qu'on avait perdu. L'avantage des défaites c'est qu'on réfléchit finalement. Et donc l'armée française avait mené un gros effort de réflexion, on avait tiré quelques très bonnes leçons de ces défaites, le matériel avait été modernisé, les troupes avaient été mieux entraînées, etc. Donc c'est potentiellement une bonne armée. Un des gros problèmes qui va se poser, c'est le ravitaillement. Alors l'armée d'Ancien Régime, elle avait un système de magasins, comme la plupart des armées de l'époque, donc avec un train de ravitaillement qui suivait l'armée. Et alors lorsque la Révolution éclate, Carnot, dont je vous ai parlé tout à l'heure, supprime le système des magasins. Alors ça va être donné deux systèmes, en fait. Quand on est en pays ami ou allié, bon là on se ravitaille tant bien que mal, d'ailleurs on voit que c'est pas évident pour cette armée-là, avec le ravitaillement intérieur. Quand on est en terrain ennemi, la guerre nourrit la guerre, et donc on se nourrit sur le terrain. Alors ça a un avantage immense et un inconvénient immense. L'avantage, c'est que l'avantage n'est pas unique, il est même double. Un, ça coûte rien. Deux, on gagne, on va très vite, quoi. On n'a pas à se préoccuper justement du suivi de ce train de ravitaillement qui peut être très long, qui avance à la vitesse des bœufs, forcément. Donc là, on peut aller à la vitesse que l'on souhaite, on se nourrit sur le terrain, c'est parfait. Par contre, le gros inconvénient, c'est que ça nourrit l'indiscipline. C'est que les soldats prennent l'habitude, effectivement, d'en faire qu'à leur tête, pas seulement de réquisitionner, mais de piller. On va voir justement les gros inconvénients que ça entraînera. On peut voir aussi les excès que ça entraîne d'après le témoignage de certains officiers, j'en lis un en passant. Donc le 20 avril 1796, l'adjudant général Franceschi rendit compte au commandement en chef que dans tous les villages, dans toutes les maisons de campagne, dans tous les hameaux, excusez-moi, j'ai pas beaucoup de lumière pour lire, tout est pillé et dévasté. On enlève aux malheureux habitants d'une chaumière ses draps de lit, ses chemises, ses hardes, ses souliers, tout enfin. S'ils ne donnent pas d'argent, on l'assomme. Partout l'habitant fuit. Des enfants pleurent et crient après du pain. Bonaparte écrivit au directoire le 24 avril suivant. Je ramènerai l'ordre ou je cesserai de commander à ces brigands. Le 9 mai, il écrit à Carnot, il faut souvent fusiller, car il est des hommes intraitables qui ne peuvent pas se commander. Donc c'est cet outil un peu imparfait, mais que Bonaparte va sublimer, qui monte à l'assaut de ses ennemis coalisés en Italie du Nord. Alors, ces coalisés, quels sont-ils ? En fait, en 96, on est toujours dans la guerre de la première coalition. Alors, guerre de la première coalition, mais qui s'est un peu effritée, en fait, entre-temps. En 95, deux des ennemis, et pas les moindres de la France, se sont retirés du conflit, en l'occurrence la Prusse et l'Espagne, ce qui fait que reste-t-il comme ennemi de la France à ce moment-là ? L'irréductible Angleterre, bien entendu, mais n'interviendra pas ici. L'Autriche, c'est le grand adversaire, et puis également donc plusieurs États ou principautés italiennes. Alors, il faut dire un mot de notre Italie qu'on vient de quitter, mais qui est la même politiquement à l'époque de Bonaparte. Alors, c'est pratiquement un cas d'école en termes politiques, finalement, l'Italie à l'époque. Il y a de tout. On a quoi ? On a des royaumes, comme le royaume de Piémont-Sardaigne, le royaume de Naples. On a des principautés diverses, comme le grand-duché de Toscane, par exemple. On a des républiques, comme la République de Gênes ou la République de Venise. On a des États sous administration étrangère directe, en l'occurrence le duché de Milan, qui est sous contrôle autrichien. Et puis on a une théocratie, qui sont les États du pape. Alors, parmi tout ce patchwork d'États hétéroclites,
compte sur combien d'amis la France peut compter ? Zéro. Il n'y en a aucun qui va être notre allié. L'Autriche bénéficie de plusieurs alliés. On les voit sur la carte de gauche. Alors, principalement le Piémont, mais le pape est en état de guerre avec la France à ce moment-là. Plusieurs de ces États italiens. Alors, si officiellement, la France n'a pas d'alliés, les États neutres, d'ailleurs, comme le Grand Duché de Toscane, ont plutôt une neutralité bienveillante envers l'Autriche, la France n'est pas seule quand même. Pourquoi ? Parce que dans la noblesse ou dans la bourgeoisie éclairée de l'Italie de l'époque, ben finalement la France bénéficie d'un prestige parfois très important. On a des libéraux, des jacobins ou ce genre de mouvement qui s'est propagé en Italie. Et finalement on a c'est une partie de l'élite italienne qui ne demande qu'à servir les Français, qu'à se mettre au projet de la République française. Et Bonaparte va en jouer. Il va se doter d'un réseau de renseignement très efficace. Qui va le renseigner souvent à juste titre sur les intentions, les actions des Italiens. Un dernier petit mot, tiens, en ce qui concerne ces États italiens, je dis un mot sur Venise parce que ça a son importance tout à l'heure. Je cite le mot de l'historien Yves Amiot en 1998. Venise, elle détestait tout le monde et tout le monde la détestait. Ça a son importance parce qu'elle va se faire beaucoup d'ennemis finalement au bout du compte, Venise, et ça va lui coûter assez cher. Alors. Un dernier petit mot aussi sur l'organisation générale du théâtre d'opération. En fait, on voit, il y a deux théâtres d'opération. Je vous parlais des armées du Nord et de l'Est ici, et puis l'armée d'Italie. Alors, les armées du Nord et de l'Est, en fait, ce qui est censé se produire, et suivant le plan de Carnot, c'est que Bonaparte doit faire simplement diversion. C'est un théâtre secondaire, l'Italie. Le théâtre principal, c'est le théâtre du Rhin. Le problème, en fait, on va pas insister sur ce point parce que on n'aura pas le temps, c'est pas notre objet, mais c'est que les armées du Nord, justement, sur le Rhin, en fait, vont subir échec sur échec. Elles vont tenter à plusieurs reprises de passer le Rhin, elles se feront ramener à chaque fois. Donc, en fait, non seulement Bonaparte aura la seule armée conquérante dans cette affaire, mais en plus, comme les Autrichiens gagnent régulièrement leur bataille en Allemagne, ils vont pouvoir petit à petit prélever des renforts sur le front allemand et les envoyer au fur et à mesure sur le front italien. Par exemple, un nom qu'il faut retenir, c'est Würmser. Würmser qui est un Alsacien. Vous voyez, quand je vous parle des Autrichiens qui se battent pour la France, il y a un Français, Würmser, qui se bat pour l'Autriche. Et Würmser, qui commande l'armée du Haut-Rhin pour l'Autriche, au bout d'un moment, va se retrouver en Italie, parce que, justement, les Autrichiens vont prélever ces renforts-là pour affronter Napoléon. Alors, lorsque les opérations commencent, en mars-avril 1996, comment ça se déroule ? Mais en fait, les opérations militaires vont commencer, bizarrement, suite à une affaire financière. C'est-à-dire que le directoire, qui est toujours à court d'argent, je dirais pour plein de raisons, bon, déjà la guerre dure depuis 4 ans quand même, la révolution quand même a désorganisé l'État français, donc c'est clair que les caisses sont vides, en plus le directoire est quand même notoirement corrompu, donc d'un côté comme de l'autre, finalement, on est vraiment en manque de numéraire. Donc, une des dernières missions que le directoire avait confiée à Scherer, là, le prédécesseur de Bonaparte, c'était d'envoyer une ambassade à Gênes et de demander un prêt à la République de Gênes. Alors, Scherer, il fait ce qu'on lui a demandé, donc il envoie une ambassade, donc le long de la côte, appuyée par une forte escorte de 2000 hommes, pour négocier ce prêt auprès des Génois. Quand Bonaparte prend son commandement, il découvre cette situation, il est horrifié. Il voit cette troupe isolée qui fonce, en fait, dans un secteur tenu par les Autrichiens, ils vont se faire écraser, c'est terrible. Alors, c'est son premier mouvement. Le deuxième mouvement, c'est de profiter, en fait, de cette initiative de Scherer. Pourquoi ? Parce qu'il voit, en fait, que le commandement coalisé va surréagir. Le commandement coalisé, c'est qui ? Alors, on a les Piémontais qui sont commandés par le général Colille, avec l'armée piémontaise qui est plutôt à la gauche du dispositif français. L'armée autrichienne qui est commandée par un certain Beaulieu, avec un de ses divisionnaires qui est Argenteau. Alors, un petit mot là aussi, Beaulieu, Argenteau, c'est des noms français, c'est des traîtres. Non, c'est des Belges. N'oublions pas que la Belgique à l'époque est autrichienne, c'est les Pays-Bas autrichiens, et que donc finalement vous êtes un noble belge, vous voulez rentrer dans le métier des armes, et bien vous faites carrière dans la maison d'Autriche, dans les armées de la maison d'Autriche. Bon, et donc Beaulieu est un Belge qui se bat pour l'Autriche naturellement. C'est un sujet de l'empereur. Bon, et Beaulieu d'ailleurs fait une grosse erreur en fait. Il a vu cette ambassade évidemment française progresser le long de la côte, et il surréagit en fait. Il déplace le gros de son armée effectivement vers la côte pour affronter cette brigade Cervoni là qu'on voit le long de la côte, mais en fait lui en faisant ça il déséquilibre un peu le centre de gravité de son armée, et donc on voit qu'entre les Piémontais qui sont à gauche et les Autrichiens qui se sont déplacés trop vers la droite, le centre est un peu dégarni. Et alors ça c'est une des manœuvres classiques de Bonaparte, c'est ce qu'on appelle la manœuvre en position centrale.
Quand vous êtes face à une coalition, finalement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se mettre au milieu. Alors, pas se mettre au milieu pour ne plus bouger et attendre de se encercler, mais se mettre au milieu pour enfoncer un coin entre les coalisés, les séparer et ensuite les battre l'un après l'autre. Et c'est ce qui se passe et on voit là le cheminement qui va être effectué. Donc, les armées françaises partent de la côte de la Riviera, en fait, obliquent vers la gauche, alors qu'on pensait que ça allait suivre la côte, obliquent vers la gauche, remontent vers le nord, et on voit là, c'est une victoire par jour, hein. Montelegino, 11 avril, Montenotte, 12 avril, Dego, 14 avril, puis à nouveau une deuxième bataille le 15 avril. À partir du 15 avril à Dego, les deux coalisés se séparent, on le voit là, les petites flèches en pointillés montrent les départs des deux camps, chacun de leur côté, les Autrichiens se replient vers l'ouest, les pieds montés vers l'est. Les Autrichiens se replient d'autant plus, d'ailleurs que Beaulieu avait reçu une instruction de Vienne, on avait dit, en gros, méfie-toi des Piémontais. C'est pas des alliés très fiables, on se demande si ils vont pas conclure une paix séparée avec les Français. Donc, en gros, s'ils ont des difficultés, n'insiste pas à laisser tomber, c'est pas une priorité de les soutenir. Beaulieu, pourtant, est très ami avec Colly, mais il va obéir aux ordres et il va abandonner Colly. Donc, les Piémontais se retrouvent isolés, ils se replient vers leur base, mais Bonaparte leur court après. Donc, c'est la victoire de Mondovi. On remonte vers le nord à Cherasco, et là, à Cherasco, les Piémontais demandent grâce. C'est l'armistice des Piémontais. Alors, après ce premier armistice, Bonaparte rédige une nouvelle proclamation qui est à ses troupes. Je lis. Soldats, vous avez en 15 jours remporté la victoire, pris 21 drapeaux, 55 pièces de canon, plusieurs places fortes, conquis la partie la plus riche du Piémont. Vous avez fait 15 000 prisonniers, tués ou blessés près de 10 000 hommes. Vous vous étiez jusqu'ici battus pour des rochers stériles. Dénués de tout, vous avez suppléé à tout. Vous avez gagné des batailles sans canon, passé des rivières sans pont, fait des marches forcées sans souliers, bivouaqué sans eau de vie et souvent sans pain. Les phalanges républicaines, les soldats de la liberté, étaient seuls capables de souffrir ce que vous avez souffert. Mes soldats, vous n'avez encore rien fait puisqu'il vous reste encore à faire. Ni Turin ni Milan ne sont à vous. La patrie a droit d'attendre de vous de grandes choses. Justifierez-vous son attente? Vous avez encore des combats à livrer, des villes à prendre, des rivières à passer. Tous brûlent de porter au loin la gloire du peuple français. Tous veulent dicter une plaie glorieuse. Tous veulent, en rentrant dans leur village, pouvoir dire avec fierté « J'étais de l'armée conquérante d'Italie ». Amis, je vous la promets, cette conquête. Mais il est une condition qu'il faut que vous juriez de remplir, c'est de respecter les peuples que vous délivrerez. C'est de réprimer les pillages horribles. Les pillards seront impitoyablement fusillés. Alors, proclamation intéressante. Bon, il y a le couplet glorieux, qui est justifié d'ailleurs, tout à fait mérité. Il y a une formule d'ailleurs qui est intéressante. Il dit là aux soldats, vous pouvez dire avec fierté, j'étais de l'armée conquérante d'Italie. Ça rappelle un peu ce qu'il dira après Austerlitz. Il y a des formules qu'il va un peu roder puis réutiliser à plusieurs reprises. Et puis il y a le dernier paragraphe là. Donc il faut que vous juriez de respecter les peuples que vous délivrerez, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, c'est qu'à deux reprises, en fait, il y a eu des scènes de débauche absolument inadmissibles. C'est-à-dire que quand l'armée française est rentrée à Dego le 14 avril, les soldats français sont morts de faim. Ils arrivent dans une petite ville qui est relativement dessus, et les soldats se jettent sur les habitations. Alors, bon, qui pille pour trouver la nourriture? Bon, c'est, de toute façon, c'est voulu. Avec le système d'absence de magasins, c'est voulu. Mais le problème, c'est que ça va déraper. Donc les soldats pillent, se goinfrent, prennent aussi l'alcool, s'enivrent, et puis aussi ils prennent les femmes, et à Dego ça va être l'horreur. Il y a des centaines de piémontaises qui sont arrachées à leur famille, les pères ou les maris qui veulent les défendre sont molestés ou assassinés, et puis c'est un viol de masse, mais qui va tourner court. C'était dans la nuit du 14 au 15 avril, des habitants en fuit le village vont prévenir l'armée autrichienne qui est juste à côté, et dans la même nuit les Autrichiens reviennent et ils massacrent la garnison. Ces soldats qui sont ivres morts sont totalement incapables de se défendre, mais ils vont être punis par où ils ont péché, et c'est le massacre. Et c'est pour ça qu'il y a deux dates, là, sur Dego. 14-15 avril. Le 14, on prend la ville, dans la nuit, on la perd, la garnison massacrée, le 15, il faut la reprendre. Et il y aura un deuxième épisode comme ça, là. Ça n'apparaît pas sur la carte, c'est trop petit, mais à peu près ici, il y a un village San Michele, quand on est en train de poursuivre les Piémontais, pareil, on prend le village, on pille, on s'enivre, on viole un viol de masse à nouveau absolument épouvantable. Les Piémontais reviennent dans la nuit, reprennent le village, massacrent la garnison. Donc, quand Bonaparte dit ça, il voit bien le problème qui se pose. Déjà, il perd beaucoup d'hommes, et puis il est attentif aussi. On mène officiellement une guerre de libération pour apporter les bienfaits de la République, etc., aux populations italiennes. Si on reproduit ça trop souvent, c'est clair que les Italiens vont très vite nous détester, et que ça ne marchera pas bien longtemps. Alors,
L'armistice de Cherasco est conclu le 25 avril, les Piémontais capitulent, on a le droit d'occuper leur territoire, de passer par le territoire piémontais, c'est fabuleux, et donc on se lance à la poursuite des Autrichiens. Alors, dans les négociations avec les Piémontais, d'ailleurs, Bonaparte insiste, je veux disposer d'un point de passage à Valenza, sur le Pô. Bon, il dit ça comme ça, alors les Piémontais disent oui, oui, d'accord, pas de problème, et alors ils s'empressent de prévenir les Autrichiens, chose que voulait Bonaparte. C'était un gros piège, en fait, qu'a tendu Bonaparte. Pourquoi? Il fait croire aux Autrichiens qu'il va traverser le Pô à Valenza pour leur courir après sur la rive gauche, alors qu'en fait, il va passer sur la rive droite, ce qui est beaucoup plus malin, d'ailleurs. L'idée de Bonaparte, c'est quoi? C'est de dépasser les Autrichiens en retraite, de faire une autre manœuvre typiquement napoléonienne, c'est la manœuvre sur les arrières. C'est-à-dire dépasser une armée en retraite et l'attaquer, justement, dans le dos, en fait. L'idée, c'est que si Beaulieu ne recule pas assez vite, on doit pouvoir atteindre la rivière Adda, ici, avant lui, remonter, notamment prendre le pont de Lodi, et pouvoir encercler les Autrichiens dans un quadrilatère entre l'Adda, le Pô, et puis les Alpes au nord. Et là, l'armée autrichienne est détruite. Alors, Beaulieu a fait beaucoup d'erreurs, il ne fera pas celle-là, il se replie relativement vite, et quand Napoléon arrive à Lodi, en fait, ben, il n'y a plus qu'une arrière-garde autrichienne qui est là, qu'on va vaincre, c'est la victoire de Lodi, là, qui est reproduite ici dans le tableau de Lejeune, victoire politiquement très importante. Bonaparte lui-même, justement, jusqu'à Lodi, n'avait pas conscience d'être forcément quelqu'un d'être un général excellent. Il le dira lui-même après. C'est à Lodi que j'ai pris conscience de mes capacités, etc. Donc, Lodi, c'est une victoire politiquement importante. On le signale au directoire qui est ébloui lui aussi. Mais en termes militaires, c'est pas une grosse bataille. Il y a 2000 Autrichiens. Lui qui ne demandait qu'une chose, c'est pouvoir reprendre leur retraite. Donc, la victoire n'est pas si importante. Mais politiquement, elle est importante, pour les raisons que j'ai évoquées. Et en plus, on peut rentrer à Milan. Donc l'armée autrichienne, là, c'est le tableau de Vernet qui rentre à Milan. Et alors, je recite la description qu'on donnera 40 ans plus tard, Stendhal dans la Chartreuse de Parme. Le 15 mai 1796, le général Bonaparte fit son entrée dans Milan à la tête de cette jeune armée qui venait de passer le pont de Lodi et d'apprendre au monde qu'après tant de siècles, César et Alexandre avaient un successeur. Les miracles de bravoure et de génie dont l'Italie fut témoin en quelques mois réveillèrent un peuple endormi. 8 jours encore avant l'arrivée des Français, les Milanais ne voyaient en eux qu'un ramassis de brigands, habitués à fuir toujours devant les troupes de Sa Majesté impériale et royale. Un peuple tout entier s'aperçut le 15 mai 1796 que tout ce qu'il avait respecté jusque-là était souverainement ridicule et quelquefois odieux. Le départ du dernier régiment de l'Autriche marquait la chute des idées anciennes. Un peu plus loin, le même jour, on affichait la ville d'une contribution de guerre de 6 millions, frappée pour les besoins de l'armée française, laquelle, venant de gagner 6 batailles et de conquérir 20 provinces, manquait seulement de souliers, de pantalons, d'habits et de chapeaux. La masse de bonheur et de plaisir que fit irruption en Lombardie avec ces Français si pauvres fut telle que les prêtres seuls et quelques nobles s'aperçurent de la lourdeur de cette contribution de 6 millions qui, bientôt, fut suivie de beaucoup d'autres. Ces soldats français riaient et chantaient toute la journée. Ils avaient moins de 25 ans et leur général en chef, qui en avait 27, passait pour l'homme le plus âgé de son armée. Cette gaieté, cette jeunesse, cette insouciance répondaient d'une façon plaisante aux prédications furibondes des moines qui, depuis 6 mois, annonçaient du haut de la chair sacrée que les Français étaient des monstres, obligés sous peine de mort à tout brûler et à couper la tête à tout le monde. À cet effet, chaque régiment marchait avec la guillotine en tête. Bon, alors, c'est assez intéressant d'ailleurs parce que on a vu qu'il y avait des pillages, mais dans beaucoup d'autres villes, les Français vont être accueillis en libérateur, y compris dans le Piémont d'ailleurs. À Milan, ça sera vraiment l'apothéose, mais même déjà dans les villes moyennes du Piémont, il y a eu un accueil très favorable de la population. Alors, qui va osciller en fait cette population italienne en fait. Donc là, on le voit, il y a des premières réquisitions qui ont été déclarées. Il y en aura d'autres, et ce qui fait que dans la région de Milan, dans les semaines qui suivent, il y aura des rébellions qui seront matées impitoyablement par l'armée française. Il y aura d'autres fois, on va l'accueillir en libératrice. Bon, l'accueil italien va être assez inégal, en fonction notamment de l'espoir soulevé, mais après aussi des exactions françaises qui ont suivi. Alors. Les opérations continuent, et en fait, d'ailleurs, elles vont continuer. On peut distinguer trois étapes, en fait, de cette campagne d'Italie. La première, on vient de la voir, c'était la conquête du Piémont et d'une partie de la Lombardie qui se termine, en quelque sorte, avec cette prise de Milan. La deuxième partie qui va commencer, c'est que l'armée autrichienne, qui est en déroute, va se scinder en deux. En fait, une partie va arriver à remonter vers l'Italie avec Beaulieu, d'ailleurs Beaulieu qui va être démis de ses fonctions après la série de raclées qu'il a subies, le malheureux. Et puis une autre partie de l'armée qui n'arrive pas à se replier assez vite va s'enfermer
dans la place forte de Mantoue et va être assiégée par les Français. Et donc cette deuxième étape de la campagne, ça va être ça, c'est-à-dire que les Autrichiens sont à Mantoue et qu'à plusieurs reprises, ils vont envoyer des armées de secours pour essayer de libérer cette armée encerclée et les Français ben, vont essayer de briser à chaque fois ces armées de secours. Ça va être un peu attaque-défense pendant 6 mois, si je voulais utiliser une métaphore sportive, ça va être ça. Alors, à ce stade, il faut dire un mot finalement de la perception de cette campagne à Paris et notamment par le directoire. Alors le directoire, on le sait, c'est le gouvernement français de l'époque, donc on a 5 directeurs, dont le principal était Barras, ici présent. Alors le directoire est partagé finalement vis-à-vis de ce début de campagne foudroyant. Bon, d'un côté, on est tout content. Cette armée d'Italie qui piétinait depuis 2 ans, ben, finalement, elle est en train de remporter une série de victoires exceptionnelles. En plus, surtout quand on voit que ça contraste avec les armées d'Allemagne qui n'avancent pas, voire même qui reculent. Donc finalement, on se dit qu'on a trouvé l'arme fatale. Quoi. On a trouvé le général qui va gagner la guerre lui tout seul. C'est absolument phénoménal. Bon, ça c'est très bien. Ce qui commence à devenir plus inquiétant, c'est qu'on se rend compte que Bonaparte obéit de moins en moins. Et que surtout après Lodi. Jusqu'à Lodi, il a été bon un soldat loyal, tout ça, pas de problème. À partir de Lodi, il commence à prendre ses libertés. D'une part parce qu'il commence à jouir de son pouvoir, puis d'autre part parce que les ordres du directoire deviennent parfois complètement incohérents. Premier ordre incohérent, c'est qu'arrivé devant Mantoue, il reçoit un ordre du directoire, on lui demande de scinder son armée en deux. Il y a une partie de l'armée qui devrait être commandée par Kellermann, c'est lui qui est ici, là, qui devra s'occuper du siège de Mantoue, et lui, Bonaparte, on lui demande de partir en Italie centrale pour piller l'Italie centrale. Alors Bonaparte fulmine, c'est pas possible, il menace de démissionner, il aura cette belle formule en disant « mieux vaut un mauvais général que deux bons ». Effectivement, ce système de commandement de tête, ce système bicéphale, on peut prendre l'histoire militaire depuis 3000 ans, c'est la meilleure façon de subir des défaites. On vient de le voir d'ailleurs entre Piémontais et Autrichiens. Ils avaient 2 armées, 2 systèmes de commandement, ça rate pas, c'est la défaite. Donc, Bonaparte tempête, il finit par obtenir satisfaction. Donc, ce système de commandement de tête est abandonné, il reste le plein et entier commandant il a le commandement plein et entier de l'armée d'Italie. Ce système à 2 têtes, on l'abandonne. Par contre, alors là, je dirais les directeurs et Bonaparte sont d'accord. On lui demande d'aller piller l'Italie centrale. Alors on y va. Donc, ce qui fait que le fait là que les Autrichiens soient un petit peu neutralisés pour un moment, va donner effectivement 2 mois de délai à Bonaparte. On le voit d'ailleurs. Donc, ces opérations en Lombardie se sont déroulées au mois de mai essentiellement. On commence le siège de Mantoue fin mai début juin. Puis la bataille suivante c'est Castiglione 5 août. Donc, pendant 2 mois, il se passe rien. Ben, il se passe quoi? Il se passe que Bonaparte descend en Italie centrale. C'est la partie des opérations, d'ailleurs, qui n'est pas toujours décrite dans les récits français de la campagne. C'est pas forcément la plus glorieuse. Bon. Et alors là, effectivement, c'est la mise en coupe réglée de l'Italie. Alors, il y a l'historien François Furet qui a fait un listing un peu de toutes les réquisitions obtenues chez les uns, chez les autres. Alors, au cours de cette année 96 uniquement, le pape va verser 21 millions de livres, 100 œuvres d'art, 500 manuscrits. La République de Luc, plusieurs millions, Furet ne précise pas combien. Livourne, 3 millions. Le Piémont, 5 millions. La Lombardie, 21 millions. Modène, 10 millions, plus 20 tableaux. Alors, d'ailleurs, Bonaparte raconte ses exploits au fur et à mesure au directoire. Il explique en passant, je compte rançonner le duc de Parme, écrit-il au directoire le 28 avril. Carnot lui répond, oui, il faut pressurer le citron. On le fait. Alors, voyez, donc, rien que pour l'année 96, on va obtenir environ 50 millions sur le théâtre italien. Au bout du compte, à la fin de la campagne 97, c'est 100 millions qui seront envoyés en France. Alors, 100 millions pour un ordre de grandeur. À l'époque, le déficit public français, c'est 240 millions de livres. Donc c'est en gros 40% du déficit public français qui est finalement couvert par les rapines en quelque sorte de l'armée française en Italie. C'est d'autant plus remarquable qu'en Allemagne, au même moment, les généraux français ne recueillent que 12 millions dans les territoires allemands, donc c'est peu. Alors, dernière petite précision, sur ces 100 millions que Bonaparte aura ramassés, tout ne part pas à Paris pour autant. Il utilise une partie de cet argent pour payer son armée, qui n'était pas payé par Paris de toute façon, donc il fallait bien faire quelque chose. Raison de plus d'ailleurs pour laquelle les soldats de l'armée d'Italie seront fidèles à Napoléon, c'est qu'ils vont être payés en numéraire, en fait, en monnaie métallique. Et je fais un petit retour en arrière. Un des problèmes financiers de la Révolution à l'époque, c'est qu'on a mis en place cette monnaie papier, les assignats, là, qu'on voit ici en bas à gauche, bon, qui était devenue une monnaie de singe, en fait. Donc c'était une monnaie qui avait été mise en contrepartie de la saisie des biens ecclésiastiques, donc saisie pendant la Révolution. Alors très vite dans ces cas-là, ça rate pas. Dès qu'on met une monnaie papier comme ça, on émet plus de papier qu'on a d'actifs en contrepartie.
Donc la valeur de la monnaie s'effondre progressivement. En plus, les Anglais menaient contre nous une guerre monétaire, c'est-à-dire qu'ils émettaient des fausses assignats qu'ils distribuaient sur les côtes françaises. Donc bon, l'assignat, quand on voit qu'on paye les soldats français avec des assignats, c'est une blague, quoi. Alors, quand les soldats de l'armée d'Italie voient qu'ils sont payés en monnaie métallique, ils sont tout contents. Ils sont tout contents. Également, Bonaparte garde quand même 3 millions sous la main. 1 million pour lui, 1 million pour ses généraux, et puis 1 million pour sa famille, y compris Joséphine. Ce qui nous amène au problème suivant. Le problème suivant, c'est Joséphine. Et le problème suivant pour Joséphine, en fait, Bonaparte en Italie, en fait, il fait un chagrin d'amour, quoi. Il fait un chagrin d'amour parce qu'il a quitté sa dulcinée, on l'a vu après une lune de miel express. Lui, il est follement amoureux d'elle. D'ailleurs, on le voit, il envoie des lettres déchirantes à Joséphine. En fait, le jour où il fait la guerre aux Autrichiens, la nuit, il rêve de Joséphine. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas réciprocité. C'est que la donzelle a rencontré à Paris un capitaine, Hippolyte Charles, ici présent. Et donc, elle répond aux lettres avec parcimonie, parfois avec ironie, et donc Bonaparte est désespéré. Alors là, d'ailleurs, c'est un point sur lequel le directoire s'inquiète à nouveau. On est tout content, on a trouvé un excellent général, même s'il n'obéit pas toujours, mais enfin bon, grosso modo, ça marche quand même. Imaginons que sur un coup de tête, justement, il rentre à Paris de désespoir, parce que sa femme se moque de lui, tout ça. C'est pas possible, non. Il faut qu'elle aille en Italie. Donc c'est Barras qui va se charger de cette mission. Pourquoi Barras? Parce que Barras est l'ancien amant de Joséphine. Donc c'est lui qui va voir Joséphine. Puis je lui dis non, mais écoute, il faut que tu y ailles, quoi. Alors de son côté, Bonaparte a envoyé son ami Murat, là, que je représente en bas, qui devait se remplir une mission diplomatique auprès du directoire. Lui, profite-en pour l'avoir, demande-lui de venir. Alors Murat s'acquitte de sa mission avec diligence. Il devient l'amant de Joséphine. Alors bon, Joséphine finit par céder. Bon, ok, je pars en Italie. Alors désespérée, alors elle part en Italie. Mais elle part avec Hippolyte, hein. Elle fait la route avec son amant. Elle fait la route avec son amant, avec tout un convoi en plus, parce qu'elle part pas toute seule, il y a toute la garde-robe qui suit. Donc elle arrive en Italie fin juillet, alors la Bonaparte est tout contente. Elle manque de se faire capturer par les Autrichiens d'ailleurs. Elle arrive à un moment où les Autrichiens font un retour offensif, elle va entendre siffler les balles, Joséphine. Mais enfin bon, elle s'en sort pas trop mal. Elle est établie en Italie du Nord. Elle était venue en traînant des pieds, elle va comme découvrir que la société d'Italie du Nord, ben c'est pas Paris, mais c'est quand même pas mal. Et finalement, elle va découvrir un certain plaisir à évoluer dans ce monde-là, et finalement, elle y restera avec une certaine satisfaction. Bon, le problème, c'est que les opérations reprennent. Comme je vous l'ai dit, les Autrichiens reviennent, ils ont failli capturer Joséphine. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un nouveau commandant autrichien qui a été nommé, c'est Würmser qui était donc sur le Rhin, je vous en parle tout à l'heure, et qui veut délivrer Mantoue. Alors, le problème des Autrichiens, c'est qu'ils vont souvent faire des plans trop compliqués où ils divisent leurs forces. Würmser divise son armée en deux parties. Il y a un corps commandé par Kazanovitch qui va descendre le lac de Garde par l'ouest. Würmser descend le lac de Garde et lui par l'est. Alors, Bonaparte qui mène toujours le siège devant Mantoue, alors d'une part est très inquiet, évidemment, il voit qu'il y a une armée largement supérieure en nombre à la sienne qui arrive, mais il voit tout de suite la faille, ils sont séparés. Donc qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, la même chose que dans le Piémont, manœuvre en position centrale. Donc on lève le siège de Mantoue, on se met au milieu, et puis on attend le premier qui arrive et qu'on l'écrase. Alors à ce petit jeu, c'est Kazanovitch qui arrive le premier, qui est vaincu à Lonato. À peine la victoire de Lonato est-elle remportée, hop, on fait demi-tour. Würmser, qui avait perdu du temps dans le renforcement tout, arrive par le sud, on l'écrase à Castiglione. Würmser est obligé de se replier vers le nord, et aussitôt on refonce vers le sud pour remettre le siège devant Mantoue. Ça n'a duré que quelques jours, vous voyez, les Autrichiens se sont vus vainqueurs, ils avaient d'ailleurs délivré Mantoue, et finalement ça recommence juste après derrière. Alors, manœuvre magistrale qui sera critiquée quand même. Qui sera critiquée par qui? Par Clausewitz, que je reproduis ici. Clausewitz, donc le célèbre théoricien militaire prussien, qui dit qu'il y avait peut-être mieux à faire. Alors, et il va citer quoi? Il va citer la manœuvre de César, en fait. Ce que Bonaparte a fait là, c'est ce que César a vécu à Alésia. C'est-à-dire qu'on assiège une armée, et il y a une armée de secours qui arrive dans votre dos. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Ben, finalement, il y a deux écoles. Là, l'école de César, c'est de construire deux lignes de fortification, là, ce qu'on appelle ligne de circonvallation, contrevallation, pour à la fois assiéger l'armée encerclée, et puis pour se protéger de l'armée de secours. Bon, la manœuvre de Bonaparte, c'est trop statique comme solution, ça va pas. Donc c'est le mouvement. Donc on abandonne le siège, on a même sacrifié les canons. Hein. Bonaparte sacrifie tous ses gros canons devant Mantoue. Mais c'est le mouvement, et on va donc vaincre d'abord les armées de secours pour remettre le siège devant Mantoue. Alors, ça donc, début août, brillante bataille, ça n'a pas duré longtemps. Début septembre, ça recommence, Würmser revient. Würmser revient avec une nouvelle armée de secours. Excusez-moi, j'ai pas pris ma montre, il est quelle heure? Midi moins 5. Ah.
Bon, on va faire vite. Würmser revient. Alors, il revient. Alors, c'est la bataille de Bassano, qui est peut-être la moins connue, moi je trouve la plus folle de toutes, en fait. Qu'est-ce qui se passe? Les Autrichiens reviennent, alors ils foncent vers le sud, vers Rivoli. Rivoli étant ici. Alors là, il y a une ruse autrichienne qui est un peu mieux construite que la précédente. C'est quoi? On sait que les Français, et comme en Allemagne, ils n'avancent pas, ben Bonaparte a reçu des instructions pour aller en Allemagne, justement, lui-même, pour tendre la main aux armées allemandes. Donc on sait qu'il va essayer de monter vers le nord, donc on va l'attirer dans ce sens. Donc on a un corps d'armée, mince, de Davidovich, qui doit simuler une défaite à Rovereto et remonter vers le nord, vers 30. Donc c'est ce qui se passe, les Français prennent Rovereto, ils prennent 30, et pendant ce temps-là, la principale armée autrichienne, commandée par Würmser, doit descendre la vallée de la Brenta pour faire un grand mouvement tournant, foncer vers Vérone et encercler toutes les armées françaises dans les Alpes. Alors la manœuvre est intéressante, sauf que Bonaparte la comprend, déjà il a très bien vu la manœuvre, en plus il y a ses espions toujours qui le renseignent sur les plans autrichiens. Et alors la manœuvre habituelle dans ces cas-là, ça serait quoi? Ça serait de faire demi-tour pour venir bloquer les Autrichiens à Vérone? Non, pas pour Napoléon, c'est trop long. Et puis on fait machine arrière, ça va pas. Qu'est-ce qu'on fait? On va poursuivre les poursuivants. Donc, alors que l'armée de Würmser est engagée dans la vallée du Brenta, on va lui courir après. Donc les Français s'engagent dans la vallée du Brenta. Le 6 septembre, en une journée, les Français avancent de 60 km. Ça, c'est vraiment la force des armées napoléoniennes, c'est la vitesse. Quoi. Et Würmser, qui se voyait encercler les Français, bah, lui-même, les Français s'étroussent. Donc ils foncent, dans ces cas-là, on sait comment ça se passe, on abandonne les blessés, on abandonne le matériel, tout ça, bon, c'est une petite débâcle tout au long du trajet. Et donc lorsque les Français rattrapent les Autrichiens à Bassano, ben, à Bassano les Autrichiens en fait sont déjà épuisés, ils ont déjà plus de matériel, donc ils sont vaincus. Une partie des Autrichiens se replie vers l'Est, l'autre partie avec Würmser ben, va se livrer un véritable slalom pour éviter les armées françaises, donc il est poursuivi par Masséna, par Augereau, il zigzague dans tous les sens, il arrive à Mantoue, hop, il s'enferme de Mantoue, il participe lui aussi à la garnison encerclée. Il commence à y avoir beaucoup de monde dans Mantoue. D'ailleurs, c'est un problème, il n'y a plus de ravitaillement pour tout le monde, les Autrichiens sont très mal. Alors, on pourrait développer encore, mais je n'aurai pas le temps, effectivement. Donc là, on est en septembre, au mois de novembre, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, rebelote, nouvelle armée autrichienne qui arrive. Alors, c'est commandé par Lebrinczy, cette fois-ci, un Hongrois, qui veut prendre les armées françaises à revers en attaquant du côté de Vérone. Ça sera la seule défaite française, d'ailleurs. Bonaparte sera vaincu une fois, à Caldiero, où il perdra 2000 hommes. Mais il a vu la faille, comme les Autrichiens passent trop au nord, il va manœuvrer pour les prendre à revers par le sud, en passant par le petit pont d'Arcole, sur l'affluent d'Albonne. Bataille très dure, ça va durer 3 jours. Bonaparte aurait pu se faire tuer 10 fois cette fois-là. Il a voulu prendre d'assaut le pont lui-même, justement, drapeau à la main. C'est un certain Muiron, dont je reproduis le buste ici, qui se mettra devant lui pour prendre les balles à sa place. Et Muiron va se sacrifier pour éviter que Bonaparte soit tué. Bon, la victoire va finir par échoir aux Français. Mais je dis, la carrière de Bonaparte aurait pu se terminer, effectivement, en novembre 96. On est en janvier 97, et ben rebelote, rearmée de secours autrichienne. Et alors là, en fait, on est à un point où, côté français, on est vraiment mal. On est vraiment mal, on a vu à Arcole, déjà, il s'en est fallu de peu qu'on ne perde la campagne. Et en fait, on se rend compte, il manque à l'armée française une grande victoire. Une bataille où on détruira une bonne fois pour toutes l'armée de secours, et on débloquera toute la campagne. Alors cette victoire va venir, ce sera Rivoli. Donc ça sera le tableau là que j'avais reproduit en introduction, le tableau de Philippe Otto. Donc Rivoli, on le voit, là on y est passé déjà 2 ou 3 fois dans notre périple. Donc les Français se sont regroupés à Rivoli, Alvinczy arrive du nord, alors il arrive avec une armée qui a une forte supériorité numérique, mais les Français, toujours grâce à leur rapidité, grâce à leur réseau de renseignements, arrivent à concentrer comme suffisamment d'hommes assez vite. Donc il y a 20 000 Français qui affrontent 28 000 Autrichiens. Et alors, à nouveau, c'est la manœuvre en position centrale. C'est-à-dire que les colonnes autrichiennes vont converger vers Rivoli. Les Français se mettent, en fait, en fer à cheval. Ils vont bloquer toutes les offensives. Et c'est là une victoire éblouissante. Sur 28 000 Autrichiens, 14 000 sont mis hors de combat. Donc, la moitié de l'armée autrichienne est détruite. On va poursuivre les débris, d'ailleurs. Ça sera une débâcle autrichienne totale. Il y a un officier français, le commandant à l'époque, Lassalle, qui va se couvrir de gloire. Je dis un mot sur Lassalle, il s'était déjà fait remarquer quelques semaines plus tôt, Bonaparte lui a confié une sorte de mission commando. Il avait besoin de renseignements sur le dispositif autrichien, donc Lassalle a été envoyé 2 nuits sur les arrières autrichiens avec 25 cavaliers pour recueillir des renseignements.
Alors La Salle s'acquitte de sa mission, il recueille des renseignements. Dans la foulée, il va voir une vicomtesse autrichienne de ses connaissances ou à laquelle il présente ses hommages empressés. Il revient à l'aube au petit matin avec des prisonniers, des renseignements. Enfin, c'est la gloire totale. La Salle sera un des grands héros romantiques de l'armée française. Il dira, enfin d'ailleurs, c'est un de ses amis qui lui dit, mais t'es fou de prendre autant de risques, qu'est-ce qui te prend? Et La Salle dira, mon ami, tout hussard qui n'est pas mort à 30 ans, est un genre foutre, et je m'arrange pour ne pas passer le terme. Il mourra à 34 ans, le pauvre La Salle d'ailleurs. 4 ans après sa promesse, il sera tué à Wagram d'une balle en pleine tête. Quelques jours avant de mourir, il avait envoyé un dernier billet à sa femme. Il lui avait dit, mon cœur est à toi, mon sang à l'empereur, ma vie à l'honneur. Effectivement, je suis moins expert que vous en matière de romantisme, mais on a des guerriers romantiques là, incontestablement. Alors, après Rivoli, tout se débloque. Là, la dernière armée de secours est vaincue. Il faut encore faire un exploit. La division Masséna, vous voyez qu'on voit ici, elle a déjà dû faire une marche forcée de nuit pour arriver sur le champ de bataille à l'aube. Alors même que la bataille est à peine terminée, on apprend qu'à Mantoue, au sud, les Autrichiens menacent de sortir. Donc la division Masséna doit partir au sud à fond pour bloquer les Autrichiens. En 4 jours, la division Masséna va faire 150 kilomètres. C'est des surhommes, les gars. J'avoue, je ne sais pas comment ils font. Ils sont mal nourris, ils sont mal chaussés. En plus, ils sont petits. Hein. À l'époque, les hommes font 1m61 en moyenne. On a les registres de la grande armée. Ce sont des petits bonshommes, en fait, hein, qui cavalent partout. C'est vraiment des surhommes. Bon, là, du coup, Mantoue capitule début février. Alors là, maintenant, c'est fini. On peut se précipiter vers l'est. Donc je passe les détails, ça serait trop long. On fonce vers l'est, on remporte une dernière grande victoire sur le Tagliamento, et on arrive en Autriche. Là, les Autrichiens savent qu'ils ont perdu la guerre, donc ils vont négocier. Ils vont négocier, ça va être dur. Alors il y aura un premier armistice, et puis les Autrichiens renaclent. Bon, alors en gros, vous avez gagné la guerre, d'accord. On vous cède, bon, la rive gauche du Rhin, c'est vraiment vous la réclamez, très bien. Mais il nous faut quelque chose. On peut pas négocier comme ça. Donnez-nous quelque chose. Et la solution, en fait, va venir. Napoléon veut pas céder les territoires italiens qu'il a conquis. Il veut les territoire allemand, forcément. En plus, il négocie tout seul. Le directoire l'envoie des lettres, mais il ouvre pas le courrier. Il fait ça tout seul. Et la solution va venir de quoi? Ben, en fait, d'un massacre de Français. Ça peut paraître bizarre. Qu'est-ce qui se passe? Ce sont ce qu'on appelait les Pâques véronaises. C'est-à-dire qu'au printemps 97, autour de Vérone, il y a des garnisons françaises, donc en territoire vénitien, qui vont être attaquées par la population et massacrées. Il y aura des centaines de morts. Alors, Bonaparte incriminera un complot d'extrême droite, quoi. En gros, c'est les nobles et la prêtraille, je cite, qui a excité la population contre les Français. C'est peu probable. Plus probablement, c'est les populations qui sont excédées par les réquisitions françaises, qui se sont révoltées et qui vont massacrer les Français qui leur tombent sous la main. Mais du coup, c'est une magnifique occasion. Venise, qui était plus ou moins neutre jusqu'à présent, maintenant qu'il y a des Vénitiens qui ont tué les Français, on peut leur déclarer la guerre. On va envahir la République de Venise sans aucune difficulté, mais ce territoire, du coup, on peut l'offrir aux Autrichiens. Et la paix va être offerte comme ça. Et donc, lors de ces discussions, la Bonaparte rendra célèbre. À la fin, les Autrichiens sont toujours en train d'essayer de gagner du temps. Bonaparte va flanquer par terre un service en porcelaine en disant « si vous ne cédez pas maintenant, je briserai votre monarchie comme je viens de briser ces verres de porcelaine ». Bon, les Autrichiens se rendent compte qu'ils ont peut-être affaire à un fou et qu'il faut négocier parce qu'on ne sait pas de quoi il est capable. Bon, ça sera le traité de Campo Formio, donc où la France gagne la rive gauche du Rhin, gagne la Belgique. Donc là, vous voyez maintenant les Belges ne pourront plus se battre pour les Autrichiens. On va commencer à remodeler complètement la carte de l'Italie. On va créer une république cisalpine avec ce drapeau vert, blanc, rouge, donc dans les territoires conquis d'Italie du Nord. Donc c'est la grande victoire française. La grande victoire française qui met fin à cette première coalition et donc à 5 années de guerre pour la France. Et alors pour Bonaparte, effectivement, ah oui, tiens, excusez-moi, je vais vous détailler un dernier petit diagramme qui montre un peu le génie français, en fait. Ce diagramme, il montre quoi? Il montre 3 choses. Pour chacune des étapes de la campagne, on a les gros traits, là, qui nous donnent, en fait, les effectifs totaux engagés par les deux camps. On voit donc au début, par exemple, les Français sont 47 000 contre 52 000 coalisés. Et sur chaque bataille, on voit les effectifs. Là, par exemple, à Montenotte ou à Mondovie, par exemple, on a 25 000 Français contre 13 000 Piémontais. Et ça a souvent été le cas. On voit que sur l'ensemble des épisodes de la campagne, les Autrichiens, les coalisés ont la supériorité numérique, mais que sur le champ de bataille, les Français ont la supériorité numérique. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire en fait que Bonaparte manœuvre mieux. C'est qu'à partir d'un rapport de force défavorable, grâce à ses renseignements, grâce à sa vitesse, il arrive à concentrer au point important des effectifs supérieurs pour arriver à vaincre l'ennemi. Et d'ailleurs, Rivoli, d'ailleurs, était d'autant plus remarquable. On voit que c'est la seule grande bataille où Bonaparte arrive, on l'a vu, en infériorité numérique, mais où il gagne quand même. Donc, le génie de Bonaparte, quelque part, on le résume un peu dans ce diagramme, où infériorité numérique de base,
concentration des forces et victoire sur le point important. Et alors, effectivement, je dirais, cette campagne, est-ce qu'elle a montré effectivement le succès de Napoléon? Ben oui. Alors, je fais un petit anachronisme en citant Victor Hugo qui fixe ses propos en 1802. Ce siècle avait 2 ans, Rome remplaçait Sparte, etc. Mais déjà, effectivement, Napoléon perçait sous Bonaparte. Et oui, que ce soit en tant que diplomate vis-à-vis des Autrichiens ou des Italiens, en tant que militaire sur le champ de bataille, en tant que politique, y compris vis-à-vis de son propre gouvernement, Bonaparte avait fait la montre de son talent qui laissait augurer effectivement le destin brillant qu'il allait connaître par la suite. Merci pour votre attention. Merci Monsieur Loubet de ce cours de stratégie militaire à propos de Bonaparte. À propos de Bonaparte, alors je mesure là le risque que j'ai pris aujourd'hui en associant deux communications aussi différentes sur le thème de l'Italie. Le sabre et la plume. Voilà, mais ceci étant, il faut quand même se souvenir que ces campagnes d'Italie de Bonaparte nous ont rapporté les richesses du musée du Louvre et d'énormes richesses de peinture. On a fait même passe sur tout le capital artistique, enfin le capital, une grande partie du capital artistique italien, pour enrichir nos musées, nos collections. Nous-mêmes, à la faculté de médecine de Montpellier, nous avons des manuscrits qui viennent d'Italie, des cires, les cires de Fontana qui ont été enlevées en Italie, etc., et redistribuées ensuite en France dans les différents musées. Et on a comblé le déficit. Et on a comblé le déficit en plus. D'ailleurs, c'est une recette dont nous pourrions nous souvenir aujourd'hui. Voilà, est-ce que donc cette communication extrêmement intéressante, très brillante également, est ouverte à la discussion, si vous avez des commentaires? Oui, Henri. Alors, c'est moi pour poser des questions indirectement. Il y a des liens entre notre région ici, cette armée d'Italie, ne serait-ce que par les fournisseurs à l'armée d'Italie. Mm-hmm. Il y en a au moins deux, Colo, qui terminera sa carrière sous Louis-Philippe comme directeur de la monnaie, et qui lèguera ses peintures, ses collections, dont une partie vient d'Italie, il lèguera au musée Fabre. Et il est un des cofinanciers, du coup d'État. De l'Empire. Hein. 18 Brumaire. Voilà. Mmh. Et je ne sais pas de quoi d'ailleurs il était fournisseur, peut-être d'alcool ou chose comme ça. Et le deuxième, c'est Marès, qui est fournisseur de vin et d'alcool, et c'est le père, je crois, d'Henri Marès, mon grand-père. Non, c'est le père d'Henri Marès, et l'argent gagné par la famille Marès va être investi au domaine de l'ONAC, domaine dans lequel Henri Marès va faire ses recherches avec succès pour lutter contre l'oïdium. Pas très bon, c'est la chose. Hein. Voilà. Et puis en ce qui concerne la rapidité de manœuvre, il y a très longtemps, je m'étais mis dans la tête à peu près de calculer le nombre de kilomètres très grossièrement que faisaient quotidiennement les armées de Napoléon lorsqu'elles ont levé le camp de Boulogne en 1803, je crois à peu près, pour aller voir le lever du soleil 1805. À Austerlitz. Eh ben, c'était grosso modo 30 km par jour. Là, vous arrivez à 45 km. Et même jusqu'à 50 km. Et encore, on n'a pas parlé du franchissement des Alpes, oui. Etc. Bon. Ce qu'on appellera la campagne des étoiles, d'ailleurs. Voilà. C'est presque la guerre des étoiles, c'est que justement, en fait, il franchit ses Alpes, donc à la fin de l'hiver, donc on imagine les ciels froids, effectivement translucides, où il voit les étoiles briller. C'est pour ça qu'on appellera la campagne des étoiles, effectivement. Et moi, j'étais dans l'idée qu'une grande partie du succès, c'était lié à la... à l'utilisation de l'artillerie particulièrement sophistiquée en France, mais également la rapidité de l'utilisation. Il ne craint pas d'abandonner l'artillerie, s'il le faut, il la récupérera après, quand il aura gagné les batailles.
Alors, je crois qu'André avait demandé la parole. On va passer le micro parce que... Juste une anecdote par rapport à ce que dit monsieur. Là, pour la vitesse, effectivement, un autre exemple. À Austerlitz, c'est pareil. À Austerlitz, deux jours avant la bataille, le 30 novembre au matin, le corps de Davout, qui occupera l'aile droite du dispositif français, est à Vienne, à 120 km. Donc en deux jours, 120 km par jour, on est sur une cadence infernale de 60 km par jour, et là, en hiver, donc sur les mauvais chemins de Moravie, donc 30 novembre, 1er décembre, marche forcée, les Français arrivent au bivouac dans la nuit du 1er au 2 décembre, donc à l'aile droite, c'est là où se produit la principale offensive russe, donc les soldats n'ont pratiquement pas dormi et marché pendant deux jours, ils vont subir le principal poids de l'offensive russe, ils vont se battre, et en plus ils ont gagné, on repousse les Russes. Donc ce sont vraiment, enfin, je dirais pendant la Seconde Guerre mondiale, par exemple, il y a des expériences, on sait que les Allemands, pareil, ils se battent le jour, la nuit, ça n'arrête pas, mais ils se droguaient les Allemands, ils avaient de la pervitine. Et on sait justement, par une campagne de France, les premiers jours, ils prenaient la pervitine tout le temps. Là, les soldats français, ils ont rien. Ils ont de l'alcool, qu'ils boivent beaucoup. Basano di grappa, hein. Basano di grappa. Oui. La grappa. La grappa. Oui, je ne parle pas italien, donc. Mais d'accord. Bassano, c'est la Bretagne, non ? Bassano. Bassano. Ah, Bassano. L'italien, c'est Bassano. Ah oui, mais c'est là où on produit la grappa. Bon. Le raisin. Mais donc, cette vitesse, effectivement, est impressionnante et on l'observe à de nombreuses reprises, oui. André. Que pensez-vous de cette opinion militaire que j'ai entendue, ou plutôt que j'ai lue une fois en Amérique et en Allemagne? Napoléon Bonaparte a remporté de grandes victoires contre des armées qui étaient souvent supérieures en nombre. Par contre, il était artilleur, il avait le meilleur canon du monde, et en général, il avait plus de canons que l'adversaire. Alors, pour la campagne italienne, alors, ce que vous dites au début est tout à fait juste, on n'a pas le Gribeauval est certainement le meilleur canon au monde. Par contre, lorsqu'il commence la campagne, il a 40 canons, Bonaparte. En face, les Autrichiens ont 250 de mémoire. Donc non, on commence la campagne en étant infériorité sur la cavalerie, sur l'artillerie. Le seul point fort qu'on a, c'est qu'on a une très bonne infanterie. Je vous dis, j'ai dû passer un peu vite sur certains détails, mais là, lorsque j'ai parlé de la bataille de Lonato de Castiglione, je lis juste le petit alinéa en dessous qui est trop petit. C'est un extrait de l'excellent magazine Guerre Histoire que j'ai amené, où il y a de très bonnes analyses. De tous les combats depuis Montelegino, la 32e demi-brigade a acquis un savoir-faire tactique irrésistible. Le 31 juillet 96, elle culbute un corps ennemi et s'empare de Lonato, tuant 200 Autrichiens et en capturant 600 contre 4 tués dans ses rangs. Donc l'infanterie est excellente, l'artillerie elle est très très faible au départ en nombre, mais en fait, comme on va sans arrêt capturer les armées ennemies, on va se doter d'une artillerie importante en prenant les canons en piémontais autrichiens. À la fin, on a la supériorité de la puissance de feu supérieure, mais par la capture de matériel ennemi, au départ, c'est pas du tout le cas, effectivement. Voilà, alors le général disait que c'était la victoire de Norfolk qui a établi définitivement les États-Unis d'Amérique, et qui était plus le canon de Gribeauval, qui était utilisé longuement pendant le siège de Norfolk. Alors, une question, madame. Et l'état d'esprit des populations italiennes et leur participation éventuelle aux hostilités. Alors, participation faible, par exemple, vous me posez la question, c'est vrai, pendant cette campagne, j'ai pas connaissance d'unités italiennes, même plus ou moins de volontaires qui ont été constituées. Ça sera le cas après. Une fois que Bonaparte puis Napoléon ont complètement remodelé la carte de l'Italie, ben, on le sait, Rome deviendra la deuxième ville de l'Empire, son fils sera roi de Rome, tout ça. Donc, notamment à partir de la campagne d'Espagne et de Wagram en 1809, on a des contingents entiers d'Italiens qui se battent dans l'armée française. Ce qui posait problème, d'ailleurs, à Wagram, pendant un moment, on tirera sur les Italiens parce que leurs uniformes ressemblent à ceux des Autrichiens, donc ça conduira à parfois des problèmes qui sont inévitables dans une armée un peu hétéroclite. En Russie aussi, il y aura de très forts contingents italiens qui seront amenés en Italie. Donc, mais c'est de la conscription, en fait. On leur laisse pas tellement le choix, les Italiens. Au niveau des élites italiennes, les avis sont partagés. Il y a eu un vrai engouement au départ, et qui sera assez terrible d'ailleurs, parce que bon, les Autrichiens, il y aura un vrai engouement qui va durer comme la preuve. Je parlais de ces réseaux de renseignements qui vont marcher jusqu'au bout. Ça veut dire que cette élite va marcher encore en partie avec Bonaparte, mais les réquisitions, les exactions vont très vite détourner les Italiens comme de Bonaparte. Et alors, ce qui est terrible pour les Italiens, quand on lit un peu toute la période,
c'est que finalement ils passent leur temps à être envahis ou à être secourus par les armées étrangères. À chaque fois, ils accueillent les nouveaux envahisseurs comme des libérateurs, et à chaque fois, le nouvel envahisseur se révèle pire que l'ancien. Et donc là, bon, les Italiens ont parfois accueilli les Français en libérateurs. Ensuite, les Autrichiens reviendront en 1799. Ils vont accueillir les Autrichiens libérateurs. Les Français vont revenir, hurra. Puis ce sera les Russes qui vont arriver, hurra. Et puis tous vont être pires que les précédents. Il y aura même un corps d'Albanais qui va débarquer à Naples, si je me souviens bien, qui vont commettre de nombreuses exactions. Je pense, j'avoue que je ne suis pas expert en la matière. Peut-être que madame, vous pourrez répondre plus précisément que moi. Mais j'ai expliqué un peu ça. Je pense vraiment la naissance du sentiment national italien, la nécessité de l'unification vient de là. Quand on voit que tous les envahisseurs déferlent, qu'aucun ne se révèle un véritable ami, bon, ben là, il faut prendre un destin en main, quoi. Il n'y a rien à attendre de personne. La France, une dernière fois, en 59, pour vaincre les Autrichiens, effectivement, à Magenta, etc., avec Napoléon III, mais sinon, effectivement, il ne faut compter que sur nous-mêmes. Alors, Emmanuel Vigneron, sur la parole. Merci de votre belle intervention, qui ajoute une page finalement très romantique. Le micro marche pas. Pour la partie, n'apporte pas vraiment d'éléments nouveaux, sinon une belle lecture et une belle synthèse. Mais il a été dit que vous étiez professeur de sciences économiques et sociales, et il faut, moi qui suis prof, comme vous savez, je dirais toujours, il ne faut jamais oublier ses racines. Il faut tirer l'argument de ses racines dans les champs qu'on va explorer plus tard, et qui finalement ne sont pas si lointains, parce que, et ça a été évoqué par plusieurs d'entre nous, de la bataille de Pavie, dont il a été question par l'une des personnes qui est intervenue, enfin, disons, de François Ier, quoi, disons, de la bataille de Pavie aux expéditions de Bonaparte, en passant par les multiples grands tours des uns et des autres, et pas seulement de Goethe, nos musées français, que ce soit le musée Fabre, ça a été dit par un de nous, ou que ce soit le Louvre, sont pleins de ces trophées arrachés à la gloire de l'Italie. Et donc je m'adresse au prof de SES en lui disant, mais est-ce que vous ne devriez pas, parce que ça, je ne crois pas que ça existe, jamais, j'ai jamais lu, une sorte de bilan quantitatif, numérique, des trophées arrachés à l'Italie, par les uns et par les autres, et notamment par les Napoléoniens, puisque les registres doivent être tenus, doivent exister. Et ce serait intéressant de savoir comment la France a conquis sa puissance par des formes, au fond, de premières expéditions coloniales, là, et demain, en Italie, en disant que ça renoue avec des volontés philosophiques, esthétiques, de grandeur, de retour à Rome, enfin, une chose comme ça, qui serait, au fond, comme des alibis pour aller piller un pays richissime qui nous est voisin et dont on ne s'est pas privé dans la campagne d'Italie. Donc il y a un travail vraiment intéressant là, qui sera à faire. Oui. Très novateur. Donc vous me confiez une mission. Yes. Ben, c'est un short de mine. Ah oui, là. Alors je voudrais quand même faire une remarque. Qui intéresserait l'agriculture ou l'autre. Oui, mais je voudrais faire une remarque, mais est-ce qu'on est sûr que ça n'a pas été fait? Parce que je peux vous dire une chose, c'est que lorsque à la Révolution française, on a fait toutes les réquisitions de toutes les œuvres d'art, en particulier les manuscrits, etc., des nobles, du clergé, etc., on l'a tout mis dans des entrepôts, ça avait un nom très particulier. Et ensuite, quand Napoléon a été au début de l'Empire, il a fait faire un inventaire. Et vous aviez un triumvirat de personnes qui ont visité, qui ont fait l'inventaire et qui ont réparti. Alors peut-être que pour tout ce qui a été saisi en Italie, ça a été également fait, je ne sais pas. Il y a eu beaucoup de restitutions qui ont été faites. Il y a eu beaucoup de restitutions qui ont été faites, oui. Je pense qu'il y a des bases légales dans ce qui a été évoqué, puisqu'il s'agit d'un armistice, il s'agit donc d'une convention. Alors, est-ce qu'on peut parler d'une convention inégale? Sous la contrainte. Ce sont deux puissances, quand même, de même niveau qui s'affrontent. Et bon, il y en a une qui perd, elle perd, elle paye de l'argent et elle paye une partie en œuvre d'art. Donc là, il y a un marché. Mais c'est égal. Ce n'est pas du pillage.
puissance égale, non, quand même, parce que quand on réquisitionne l'Italie, c'est des oui, États faibles. Ah non, mais il y a eu. Attendez. Tu veux finir ajout. Alors, termine vite ton intervention et ensuite Hervé. Un petit ajout. La dernière fois qu'en France on a eu à faire cela, ça a été fait sous l'égide de la Vigané, qui était en Chanson, qui a dressé en terre des biens qui planquaient à droite à gauche en territoire moyen. Et donc là, il y aurait vraiment, pour nous ici à l'Académie de Canton, je crois, une recherche historique assez intéressante sur les bilans économiques de nos campagnes d'Italie, où, qui pourraient faire écho à des choses. Parce que Chanson, lui, il a fait beaucoup d'administration, il est chartiste, comme vous savez. Et il a vraiment pas planqué les trucs comme ça au hasard. Il y a tout un... Alors, Hervé Dupont-Mondeau, je vous ai dit, Madeleine. Alors, donc, simplement, avant de poser ma question, je vais répondre partiellement à ces interrogations, et qui est une réponse diplomatique. Une annexe qui était au traité de Vienne en 1815 et un catalogue des œuvres réclamées par les Autrichiens et par la papauté qui demandait aux Français le retour. Et il y a une restitution obligée prévue dans les annexes du traité de Vienne, et qui faisait donc partie de la convention diplomatique, cette fois-ci, qui a suivi la défaite de Napoléon. Alors, la question que je voulais poser est plus technique, quels étaient les éléments cartographiques de Napoléon? Parce que Napoléon, on le voit, a une conception très mobile de la bataille, et donc une armée toujours en mouvement, sur quelle carte travaille-t-il? Alors, avec une réserve, ou une question annexe, c'est que la France n'a pas arrêté, au nom de son histoire, de pénétrer en Italie. Est-ce que Napoléon a des, en éléments cartographiques, a des cartes qui viennent de l'Ancien Régime, ou est-ce qu'il est obligé de tout refaire sur place, en cartographie? Alors, question très pointue à laquelle je n'aurai qu'une réponse que partielle. On a des cartes, effectivement, de l'Ancien Régime, notamment le plan que Bonaparte propose dès 94, ce qui fait d'ailleurs qu'il aurait presque pu être nommé commandant de l'armée d'Italie dès 94, d'ailleurs. Il se base sur les travaux d'un certain Maillebois dans les années 1740, après la guerre de succession de Pologne, où déjà on était rentré en Italie, et donc on avait déjà des cartes qui dataient de cette époque-là. Donc ces cartes, en fait, on les avait gardées, je pense qu'on les avait entretenues. Bonaparte lui-même avait été, par exemple, en Italie en 94, jusqu'à Gênes, pour faire une reconnaissance, en fait. Donc il y a des travaux un peu, comment dirais-je, empiriques, qui ont été compilés. Après, vraiment, est-ce qu'on a vraiment des cartes d'ensemble? Oui, leur niveau de précision, j'avoue, je ne le connais pas. Il y a quand même une chose qu'il faut savoir, c'est comme l'Italie du Nord, comme il le dit, tiens, à un moment, j'ai oublié de citer ce passage-là, mais bon, je ne vais pas le retrouver, mais il se plaint toujours de cette intendance qui ne suit pas. Il dit, les intendants me font mourir de faim. Je n'ai que des pygmées qui me font mourir de faim dans le pays le plus riche du monde. Donc, effectivement, bon, l'Italie est riche, elle est très bien organisée, et on a un réseau de routes qui est très dense. Beaucoup plus qu'en France, finalement, à la même date. D'ailleurs, c'est toujours un peu le cas aujourd'hui, ce qu'on appelle la banane bleue. Vous savez que ce que les géographes appellent la banane bleue, c'est cet axe de, ce réseau de communication très dense qui va de la métropole londonienne jusqu'au nord de l'Italie, en fait, qui passe par le Benelux et l'Allemagne de l'Ouest. Bon. Et donc, c'est déjà à l'époque, la population est plus dense en Italie du Nord qu'en France, donc il faut un réseau routier plus important. Et la guerre en Italie, c'est avant tout une guerre de route, en fait. Une guerre de route et de montagne. Donc, on passe par des cols, tout ça, mais les routes sont là un peu partout. Et à partir du moment où il y a des routes, bon, là, je trouve que c'est un peu une déduction. Oui, là, il y a des cartes et des directions. C'est pas, évidemment, aussi élaboré qu'aujourd'hui, mais finalement, on sait où on va, finalement. Et c'est pour ça, d'ailleurs, vous voyez, dans toutes les initiatives que Bonaparte prend, il anticipe les villes qu'il faut prendre, les ponts, surtout les ponts, c'est ça le principal problème. Donc je pense, oui, qu'il est très bien renseigné et que les cartes sont de bonne qualité, et depuis au moins un siècle. Alors, une dernière question, Madeleine Souche. Je me demande si nous ne faisons pas un certain nombre d'anachronismes. Effectivement, il y a eu des butins. Il y a eu des butins. Ah, des butins, oui. Et il y a eu des butins italiens et bien d'autres. Mais... à l'époque, est-ce que le butin, ce n'était pas la règle? Est-ce que le butin, ce n'était pas la règle? Et c'était admis à l'époque.
Moi, je suis un peu choquée, par exemple, par rapport au code noir. Je me dis, putain, mais on reproche à Colbert d'avoir fait son code noir, alors que replacé dans le contexte, le code noir est relativement un progrès. C'est un progrès, on a tout à fait d'accord. La codification, la loi que la vie. Le butin, c'est peut-être. Mais les Allemands n'ont jamais rendu à la France lorsqu'elle a demandé en 70. Non, mais on est bien d'accord, mais de toute façon, dans ce qu'on a pris en Italie, il y a eu de la rapine, il y a eu de l'achat, on a acheté les choses. Il y a eu effectivement ce qui a été rétrocédé par les traités, etc. Il y a eu de tout, oui, tout à fait. Mais bon, on est à une époque où on est tout en question et on détricote tout. Hein. Bon, on est bien d'accord avec nous et on est bien contre ça. Hein. Voilà. Anachronique, quand même, les réquisitions. Je ne vous ai pas donné de détails parce que c'était trop long, puis moi-même, j'avoue, je ne suis pas expert en matière artistique, donc je n'aurais pu m'en limiter qu'à généralité, mais vraiment, par exemple, les listes, à deux reprises, en fait, Bonaparte va négocier avec le pape. Le deuxième traité, je n'en ai pas parlé parce que je l'ai un peu inclus avec le reste en donnant le bilan global, c'est le traité de Tolentino, voilà, en février 97. Quand on voit les listes d'œuvres d'art que Bonaparte demande au pape, j'ai pas connaissance de conquérants qui faisaient ça avant lui en Italie. Donc là, l'anachronisme est presque, je dirais, c'est presque une innovation française en termes de pillage à grande échelle que les autres ne faisaient pas. Inversement, quand par exemple la France va rentrer en Prusse en 1806, j'ai pas non plus l'impression, là, je dis ça de mémoire, je m'attendais pas à des questions là, sous ce plan-là où je suis pas expert. J'ai pas de grosses connaissances en matière, mais j'ai pas connaissance de réquisitions artistiques aussi importantes en Prusse. Alors pourtant, il y aurait eu. Ah, quand même. Frédéric le Grand, il a pris l'épée de Frédéric, par exemple, que les Prussiens ont réclamé après aussi. Bon, l'Italie, évidemment, c'était à une autre échelle par rapport à la Prusse. Mais je dirais des réquisitions en la matière, je crois qu'on a été, hélas, un peu précurseur. Hélas. Bon, je vous remercie. Je pense qu'on va mettre un terme à cette discussion, vu quand même l'heure assez avancée. Je voudrais remercier les deux. Thank you.